On va commencer la vidéo. Tout ça, ceux-là aussi. Donc là. Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein que je vais faire en deux parties parce que j'ai trop d'articles. J'ai fait deux commandes et aussi une troisième commande qui a été que des accessoires. Donc en gros, il y a trois commandes. De vêtements d'hiver et des accessoires à côté. Avant de commencer, je vais aller checker mes vidéos haul Shein que j'ai pu faire récemment. Ma dernière vidéo de playlist que j'ai postée la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, de vous abonner aussi sur Instagram, c'est gratuit et ça me fait plaisir. On va commencer parce qu'on a trop de vêtements et comme je vous ai dit, je vais le faire en deux parties. On commence. Donc là pour le coup ça va être beaucoup des pulls d'hiver, enfin des hauts d'hiver. On va commencer par un haut que j'aime beaucoup. Ce haut là, il est juste magnifique. Les couleurs j'ai trop aimé. Niveau prix je crois il m'a coûté, dans tous les cas je vais vous mettre tout dans la barre de description, mais je crois bien qu'il m'a coûté une trentaine d'euros. Donc il est juste magnifique. La couleur j'ai trop aimé, je vais vous mettre un petit clip ici. La couleur, j'ai trop aimé et il tient assez chaud. Et voilà, oh, juste magnifique, rien à dire. Il y a quelques articles que j'ai pas trop aimé, mais il y en a, c'est des pépites. Une bonne matière, très douce et pour l'hiver, ça tient grave chaud. Rebellion, mes cheveux, surtout ce côté, je sais pas ce qu'il a. Aujourd'hui, j'ai essayé de le plaquer tout droit, tout raide, mais ils sont un peu en rebellion. Il y a juste un accessoire que je porte et que je kiffe trop en ce moment, c'est ce petit collier. Il est juste magnifique, j'aime trop, c'est une petite planète comme ça. Je l'aime trop, c'est juste que je pensais que les perles étaient plus fines, enfin plus petites, mais en fin de compte, elles sont un peu grosses. Et je l'aime trop quand même, franchement. C'était trop un collier que je voulais en été, mais je ne l'ai jamais commandé. Et là, je me suis dit, il faut bien que je le commande un jour du coup. J'aime trop et je suis pas déçue. Voilà, c'est juste le petit point négatif, c'est que les perles elles sont un peu plus grosses que ce qu'il y a sur la photo en fait. Le prochain article, c'est un petit haut tout simple comme ça, très moulant. La matière est très moulante, élastique. C'est un petit crop top et j'aime beaucoup la qualité. C'est un basique, hein. C'est un petit haut basique. Je voulais grave le porter avec l'article suivant. Un jean, vous connaissez les jeans cargo un peu, c'est grave en tendance en ce moment. Donc, je suis pris deux jeans comme ça, celui-là en beige, donc il fait comme ça. Vous avez des poches ici, une poche là, enfin il est rempli de poches en fait. Pour celle des jeans cargo, très ouvert en bas, très large, coupe droite et franchement il taille assez bien. J'ai pris la taille XS et pour vous dire, il baille encore au niveau de la taille, donc vous connaissez hein. Shein, ça taille un peu grand quand même. Pour tout ce qui est niveau pantalon, ça taille un peu large. Donc j'ai pris la plus petite taille, c'est du XS, du 34. Et il baille quand même au niveau de la taille. C'est un petit combo que je vais vous mettre là. Il passe. C'est une petite tenue qui passe très bien. Une petite doudoune ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est assez fin, le petit, petit pull est assez fin, vraiment. On peut voir même à travers je crois, mais voilà il est assez fin, c'est juste pour faire une petite tenue très basique. Le haut suivant, je suis un peu déçue en fait, j'avais pas capté que sur la photo, en fait j'ai pas balayé les photos, j'ai juste vu la première photo et je l'ai mis dans le panier, donc c'est un peu dommage que j'ai pas trop vu la description, parce qu'en fait la couleur c'est bon, il n'y a pas de souci. Il est moins flashy que dans la vidéo là, parce qu'à cause de la lumière. Mais il est moins flashy, il est très beau niveau couleur. Niveau matière, pareil. Le seul bémol, ça a été en fait la coupe. En fait, il est très dénudé. C'est un calvaire pour en fait le porter. Tu comprends jamais quand est-ce... Enfin, tu comprends pas comment il faut le tourner, le bail. Enfin bref, c'est un délire. Donc, j'avais pas vu sur la... Sur la photo, en tout cas, je me ferai plus avoir dessus. Je regarderai tout en fait niveau description. Parce que là, j'ai été déçue. J'ai rien compris quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu ça. Et j'avais même pas vu qu'il était dénudé. Donc, si j'arrive à le porter et que c'est pas trop dénudé, je vous mettrai une vidéo de ce que ça donne. Je mettrai aussi une photo de ce que portait le mannequin sur la première page, bien sûr. Un peu déçu, lui c'est un retour dessus. Les tailles, normalement les pantalons j'ai pris tout en XS, ça c'est sûr. Et pour les hauts j'ai joué entre XS et S. Mais je vous mets tout en barre d'infos. Le haut suivant, vraiment coup de cœur.
En plus, il y a des cœurs dessus, j'aime trop, c'est trop mignon. Les couleurs, c'est tout ce qui se marie trop bien. C'est du rouge et du rose. C'est juste une pépite, regardez-moi ça. Il est magnifique, il tient assez chaud. C'est comme le premier, niveau qualité, ils sont très bien. J'ai pris du S et ils sont assez oversize. Et il est assez oversize, donc ça m'allait très bien. Du S, ça suffisait largement. Et le combo de couleurs rouge et rose, c'est juste magnifique. Et les petits trois cœurs ici, au niveau du ventre, ils sont trop mignons. J'aime trop. J'ai trop hâte de le porter. Et le petit haut rose, je vais sûrement le porter avec ce jean. Pareil que le beige que je vous ai montré. Celui-là, il est magnifique aussi. Pareil, c'est du XS, mais il taille trop large au niveau de la taille. Donc c'est du 34. C'est censé être du 34. Et j'y crois pas trop. Parce que ça ferait une trop belle tenue avec le petit haut rose. Celui-là, je le préfère beaucoup plus que le beige. Mais voilà, les deux sont bien. C'est le même. C'est juste que la couleur, elle change. Pareil, vous avez les petites poches ici. C'est la même coupe. C'est vraiment le même. C'est le même vendeur. C'est tout pareil. En ce moment, c'est vraiment la tendance. Tout ce qui est cargo, large, jean, coupe droite. Enfin, tout ça, c'est vraiment en tendance. Donc, je voulais trop tester. Et franchement, on est grave, grave à l'aise. J'ai plus trop l'habitude, en fait, de porter des slims. Tout serré. Je porte que des jeans baggy, des jeans mom, voilà, des trucs vraiment, des coupes droites. J'arrive plus à me les voir. Je me sens plus en fait à l'aise dedans, tout simplement. Dans les hauts d'hiver, ce petit haut rose. Je voulais trop en fait prendre de la couleur. J'en avais marre de tout ce qui était basique, noir, blanc, beige, nude. Donc j'ai vraiment pris de la couleur. Et j'aime trop celui-là. Il est grave de qualité de fou. Un crop top. Pareil, très court, mais qui en fait qui se referme en fait ici un peu sur soi-même, en sorte de marquer la taille. Oh, il est juste magnifique, la couleur est trop mims, trop cute et juste tout doux. Non, franchement, c'est de la trop bonne qualité, à part voilà le vert. C'est moi-même, je me suis trompée en fait sur le fait, mais sinon celui-là, c'est des vêtements que tu peux trouver au calme, à Mango, à Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, etc. Niveau matière, vraiment, je suis choquée pour les pulls d'hiver. Pour le prix, genre, t'as des hauts, max, ça va être 30 en fait. Donc, c'est accessible. Le prochain, c'est un basique. On peut le voir partout en vrai. C'est le petit rayé qui est vraiment en tendance en ce moment. Donc, pull rayé, tout long, noir et blanc. À la base, je voulais le prendre. Enfin, je l'ai pris en deux couleurs, mais l'autre est plus court, lui, il est plus long. Et franchement, ouais, basique. Après, lui, niveau qualité, je pense pas qu'il va tenir grave chaud, celui-là. Qu'il est moins épais que les autres que je vous ai montrés. Donc, ça serait le seul problème. Et il est super long, donc il descend jusqu'aux fesses. Voilà. Ah, un basique rayé. Grave en tendance en ce moment, on le voit partout. Le dernier article de cette partie, c'est une petite chemise. Très classique, classique. Noir. Franchement, j'aime trop. Je la guettais de fou sur le site. Elle me faisait de l'œil. Et j'ai fini par la prendre. Niveau qualité, ça va. C'est ce genre de matière, je sais pas comment le qualifier. Mais en tout cas, il tient pas chaud. Enfin, c'est pas pour l'hiver, c'est juste pour un petit événement, un petit restaurant. Voilà, pour se faire chic chic. Mais trop, en fait, surtout le corset. Mais le problème, c'est que sur moi, j'ai pris la plus petite taille, je crois. Où j'ai pris du S et il y avait du XS. Et niveau poitrine, vu que j'en ai pas, et ben ça baille de fou. Donc je pense pas que je vais la garder. Mais sinon, si vous avez de la poitrine, franchement, ça se collait pas. Ça baillait de fou. Et du coup, j'étais limite nue. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ça soit cintré au niveau du ventre. Il y a ce petit corset, voilà, asymétrique. Et j'aime trop. Mais il y avait plein de couleurs, il y avait noir, il y avait blanc, il y avait rose. La rose a été magnifique aussi. Je voulais tester la noire, mais en fin de compte, en fait, niveau taille, ça le fait pas. Donc c'était bien le dernier article de cette partie 1. Je vous laisse les autres articles pour une deuxième partie. Je vais vous mettre dans tous les cas tous les articles en barre de description avec les tailles que j'ai prises. Et j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'espère que les looks vous auront plu, que les vêtements vous auront plu. Dites-le moi en commentaire. S'il y a des tenues ou vous voulez des questions par rapport à un article ou un autre, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Franchement, j'ai pas beaucoup d'abonnés comparé à ici.
Donc, je sais pas où vous êtes, mais venez directement sur mon Insta, on va papoter. Et vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à la prochaine pour la partie 2.